bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et c'est en direct de Cannes que je vous envoie plein d'ondes positives. Alors d'ondes positives parce que vous savez que une de mes phrases préférées c'est comment allez-vous bien. Pourquoi comment allez-vous bien? Parce que comment allez-vous, comment allez-vous, vous avez 90% des gens qui vous disent eh bien, je suis fatigué, ça va pas, en ce moment c'est compliqué. Non, comment allez-vous bien? Et pour moi, c'est nécessaire, parce que sinon, lisez Freud. Moi, je préfère lire Robbins, je préfère lire Brian Tracy, tous les gens qui m'inspirent, qui sont positifs. Et ça, c'est une indication. Est-ce que vous êtes inspiré par Freud? Moi, personnellement, non, même s'il a fait des choses intéressantes. C'est pas lui qui m'inspire. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir pourquoi les gens échouent, c'est de savoir comment les gens réussissent. Je viens de dire deux choses importantes, le pourquoi et le comment. Pourquoi vous avez eu ça ne m'intéresse pas. Personnellement, le passé est passé. Ce qui est intéressant, c'est comment vous allez faire pour passer à un autre niveau dans votre vie. Mais si vous voulez savoir pourquoi vous avez vécu ça, vous pouvez y passer du temps. Vous pouvez faire des psychothérapies, faire des psychanalyses, ça va durer 6, 10, 15, 20 ans. Mais vous portez toujours votre attention sur ce qui ne va pas. Vous portez votre attention sur ce qui vous a fait échouer. Autrement dit, votre conscience est orientée vers l'échec. Autrement dit, quand je croise des gens qui viennent me voir pour se faire coacher en m'expliquant ceci, eh bien, ils sont champions de leur expertise dans leurs problèmes, mais ils n'ont pas la vie qu'ils souhaitaient. C'est normal, ils n'ont fait que libérer des neurotransmetteurs de mal-être. Vous connaissez mon expertise en tant que pharmacien sur la neurochimie du cerveau. Comment voulez-vous aller bien si vous êtes toujours en train de ressasser du ressentiment, de la colère, de la frustration, de la tristesse? Vous libérez des neurotransmetteurs de cortisol, d'adrénaline, d'histidine. Donc en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie et surtout, est-ce que vous voulez piloter votre vie en regardant dans le rétroviseur? Moi personnellement, je considère qu'à un moment donné, on ne peut pas être victime et réussir. Voilà. On a tous des problèmes et je connais des gens qui ont été vraiment touchés dans leur enfance et des choses des fois incroyables, mais qui ont porté leur attention sur ce qu'allait donner le sens de leur vie, comme dit Viktor Frankl. Portez votre attention sur ce qui vous reste à vivre, parce que la vie, elle passe très très vite, elle passe très très vite. Portez votre attention sur ce que vous voulez vivre maintenant, sur quel sens vous voulez donner à votre vie. Quand vous serez mort, les amis, ce sera trop tard. Pensez là maintenant, en fermant les yeux, que c'est le dernier jour de votre vie. Et vous assistez là à votre enterrement. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Qu'est-ce que les gens qui vous ont côtoyé ont pensé de votre vie? Qu'est-ce qu'ils ont retenu de vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait plaisir? Et est-ce que c'est ça que vous auriez voulu laisser comme souvenir à vos proches? Est-ce que c'est ça que vous auriez voulu laisser en héritage à vos enfants? Voilà, qu'est-ce que vous voulez donner comme valeur? Qu'est-ce que vous voulez donner comme énergie? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous? Eh bien, pensez-y tous les jours parce que ça va donner un nouveau sens à votre vie. Et moi, c'est avec un énorme sourire parce que là, je vais de mieux en mieux quand je parle de ça, parce que je ne veux pas regarder le passé, quel qu'il ait été. Ce qui m'intéresse, c'est orienter l'avenir que l'on a, parce que vous ne savez pas si votre avenir ne va pas s'arrêter dans deux jours, dans une semaine ou dans deux ans. Donc vivez, mon sang, vivez, et portez votre attention sur ce que vous souhaitez laisser à tous les gens qui vous aiment et qui vont vous aimer. Merci les amis, et à bientôt. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez que nos statistiques sont excellentes. Nous faisons partie des trois premières chaînes de développement personnel dans la francophonie. Et grâce à vos likes, vos partages et vos nombreux commentaires, eh bien, nous ne faisons que progresser. Vous savez que ce sont vos commentaires qui me donnent de plus en plus de matière pour répondre à votre demande et à vos différentes questions. Alors, si cette vidéo vous a plu, surtout, là, vous appuyez sur « Abonner ». Et comme ça, vous recevez de temps en temps les vidéos. Mais si vous voulez recevoir tout le temps, être prévenu, parce que je n'en fais maintenant plus qu'une tous les deux ou trois jours, eh bien, vous cliquez sur la cloche. Parce que la cloche, c'est celle qui va vous envoyer des mails qui vous préviennent qu'une nouvelle vidéo a été mise en place. Surtout, ne ratez pas celles qui arriveront prochainement. À très bientôt !